Ça sera après Noël, ça s'appellera Joyeuse Pâques. Voici Pierre Arditi. Pierre Arditi, bonsoir. Bonsoir. Jean Baffi, Pierre Arditi. Oui, ah oui. J'ai un dossier sur Pierre. Ah la vache. Pierre, vous êtes né à Paris le 1er décembre 1944. Entraîné par sa sœur. Enfin bon, je vais... Pourquoi t'as un dinosaure, Thierry, sur ton... Bah, c'est parce que c'est mon fils Gaston, il me dit toujours, papa, ton émission, elle est vachement bien, mais il n'y a pas de dinosaure. Donc maintenant, j'ai un dinosaure pour Gaston. Voilà. Tu as un bien, Thierry, c'est bien. C'est une émission complète, il y a même des dinosaures. Alors, Pierre Arditi, ça fait une paye qu'on ne vous a pas vu. Ça fait combien de temps qu'on ne vous a pas vu à la télé? Ben, je sais pas, ça fait peut-être un an et demi. Un an et demi, c'est ça, oui. Vous n'avez pas changé, vous êtes toujours aussi élégant. Oui, vous trouvez. Bah oui, d'ailleurs, vous avez pris d'élégance, Monsieur Longines, à une grande soirée au Ritz. J'ai fait deuxième. Ouais. Oui, ils ont tous fait deuxième, d'ailleurs. Et il a compris un truc, Pierre Arditi, il s'habille en hardisson, il a un prix d'élégance. Oui, c'est ça, j'adore. Oui, c'est facile. Ça aurait fait le contraire. Non, mais c'est le contraire. L'année prochaine, je suis beaucoup plus vieux que lui, donc ça fait beaucoup plus longtemps que je m'habille comme ça. L'année prochaine, je m'habillerai en Arditi, j'aurai un prix d'élégance. Voilà, Molière. Et le poids, comment ça va? Vous n'avez pas grossi, là, ça va? Bah écoutez, je sais pas, dites-moi. Non, ça va, non, ça a l'air d'aller. Le visage est bien, hein, ça va. Je ne vois pas le reste, mais le visage est bien. Non, c'est pas mal, franchement, là. Ça va, c'est bien. Je me maintiens, là. Faites attention. Mais je vous regarde, moi, beaucoup, vous savez, je regarde quand vous baissez, parce que le problème, en fait, c'est ça. C'est ça. Et je vois que vous n'avez absolument rien. Si, si, j'ai le profil. Si je me mets de profil, c'est horrible. Ça va? Ah, mais si je me mets de profil, c'est... Je vous demande de vous arrêter. Bien, alors, donc vous êtes en tournée en France, c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas beaucoup à la télé, parce que vous travaillez vraiment sérieusement, là. Ah ben très sérieusement. Très sérieusement. Très sérieusement. Depuis combien de temps vous êtes en tournée avec Joyeuse Pâques? C'est le troisième mois. Ah ouais. Alors Joyeuse Pâques, donc c'est une pièce de Jean Poiret évidemment. On va en parler tout de suite, mais d'abord vous savez il y a un petit rituel dans cette émission. Vous savez comment on fait? Ah il est bien. Voilà, les plus grands acteurs le font. Je dis ça pour Arnaud Montebourg qui n'a pas voulu le faire. Voilà, Pierre Arditi, un grand comédien français, énorme, le fait. Énorme, énorme il le lourd, fait. Hein, pas... Voilà, c'est du lourd là quand même. Lourd, non hein. Il le fait. Bien. Alors c'est à partir du 16 janvier 2001. Au Théâtre des Variétés, mise en scène de votre ami Bernard Murat, avec Caroline Siolle et Barbara Schulz. Hein. Et alors, c'est une comédie de Jean Poiret, je vais raconter le pitch, si vous voulez. Oui, faites tout. Moi, ce qui est bien avec moi, faites le pitch, si vous voulez. La différence avec d'autres animateurs, c'est que vous êtes obligé d'aller vendre votre pièce, par exemple. Ben, moi, je fais tout, sauf Montebourg. Il n'a pas été gentil, je ne lui ai pas vendu son livre. Alors, c'est Sophie, qui est jouée par Caroline Siolle, donc qui part pour le week-end de Pâques. Et Stéphane, c'est vous, son mari, en profite pour inviter une jeune fille qui s'appelle Julie, qui est jouée par Barbara Schulz. Mais il y a des grèves d'avion. C'est drôle, c'est une vraie comédie à la Fedo, hein, cette histoire. Et alors elle revient, Siolle, elle revient. Et elle trouve son mari, Stéphane, vous, avec la jeune fille. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, j'explique avec un aplomb absolument colossal que c'est ma fille. Voilà. Ouais. D'un premier lit. D'un premier lit, voilà. Voilà. Et ensuite, une fois que le doigt est mis dans cet engrenage-là, c'est-à-dire dans ce début de mensonge, il pousse le mensonge jusqu'à la folie, qui l'amènera jusqu'à la folie. C'est un petit peu le mécanisme du tailleur pour dames, qui est aussi l'histoire d'un menteur qui se fait prendre. Vous avez joué aussi? Oui, que j'ai joué absolument, il y a 15 ans maintenant. Vous êtes spécialisé dans tout ça, hein? Hein, ça me plaît bien. Non, oui. Mais c'est vrai, vous, sérieusement, vous passez de Beckett à Fedo assez facilement. Hein. Moi, je pense que mon métier, c'est de jouer tout. Ce n'est pas de jouer tout, c'est de jouer les auteurs qui sont dignes de ce nom. Ouais. Et Poiret est aussi digne d'être joué que Beckett, que Guitry, que Fedo, que Grimbert, que Yasmina Reza, que tout le reste. C'est voilà. Alors donc ça commence le 16 janvier au Théâtre des Variétés qui appartient à Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul, si tu me regardes. Qui a joué le rôle d'ailleurs. Il l'a joué, oui. Bah oui, c'est vrai. Avec sa fille Marceau. Oui. C'était pas ce qu'il a fait de mieux, mais bon. Baffi. Non, c'était pas le. On était dans une ambiance de Noël. On était dans une ambiance de fête. On était tranquille, on était peinard. Ça, c'est pas le meilleur film de Belmondo, on peut le dire, ou c'est tabou? C'est tabou. Alors c'est un excellent film. Ah, la télé, maintenant, c'est verrouillé. Hein. Ah, bon vieux, hein, ça, attention. Hein. Alors, vous, le principe de votre jeu d'acteur, c'est de puiser en vous, à travers des expériences personnelles, pour les retranscrire sur scène ou à l'écran. Et des fois, c'est des choses très privées dont vous nourrissez vos personnages. Vous faites appel à votre mémoire affective, c'est ça. C'est votre façon de... Oui, pas d'aborder seulement. Le métier d'acteur. Oui, pas seulement. Enfin, vous savez, c'est ce qu'on appelle la méthode stanislavskienne. Eh oui, alors je le dis à nos amis téléspectateurs, c'est le service public, vous allez voir, Stanislavski, acteur et metteur en scène russe, 1863-1938, animateur du Théâtre d'Art de Moscou. Chez vous, un indice. Et donc, l'un des metteurs en scène d'Anton Tchekhov, entre autres. Ouais. Bon, et c'est pas ma méthode à moi, c'est que je crois, pour le vivre maintenant depuis 35 ans,
que finalement, on ne fait que jouer des petits morceaux de soi-même au cours des personnages qu'on est censé interpréter tout au long d'une vie. Alors évidemment, le but, c'est de prendre à l'intérieur de soi des choses qu'on peut connaître et de les mettre au service de quelqu'un qui n'est pas soi. Voilà. Il faut très longtemps pour... Un, pour le comprendre, voilà, oui. Et deux, pour savoir le faire. Une Moi, je l'ai compris sait, assez vite, facile. Mais je ne savais pas comment il fallait faire. Et quand on joue une pièce qui ne correspond à rien de ce qu'on a vécu. Il n'y a rien qui ne correspond ben à justement. Rien. Justement, oh là là. Rien. Ça n'existe pas. Okay. Il y a toujours un moment où. Ok, prends-le comme ça. Ah, non, d'accord. Pierre, ok. Pierre, ça veut dire que vous n'avez jamais vécu, comment vous avez fait là? Parce que là, ça vous est jamais arrivé, vous, de tromper votre femme pendant ça m'est arrivé de mentir. Ça m'est arrivé de mentir. Mais cette histoire. J'ai une manière de mentir, par exemple, qui pourrait, par un certain instant, ma véhémence peut me servir de vérité, par exemple, comme souvent chez les gens qui mentent. Donc je me sers de cette véhémence dans le mensonge pour nourrir ce personnage qui, lui, est pratiquement acculé à être un menteur professionnel. Donc ça, je peux le trouver chez moi. Est-ce qu'on va passer à des choses plus intimes, là? Elle le sait, Evelyne Bouix, que vous avez déjà été mariée? Que j'ai déjà été? Marie, vous avez un enfant, quoi. Elle le sait que vous avez eu un enfant avant. mais qu'il est bête, ce garçon, mais qu'il est bête. Non, mais c'est sérieux. Non, bah, pas, évidemment. Sinon, elle le sait maintenant. Oui, bah, ça, c'est sûr, oui. Non, parce que j'ai essayé de comprendre comment vous avez pu vous mettre dans la peau de ce Stéphane. En fait, ça vous est arrivé, cette histoire. Vous avez eu un enfant avant votre mariage, il peut revenir. Oui, mais t'es arrivé à une certaine époque d'être obligé de mentir pour des raisons comme celle-là. Oui. Sans pour autant faire passer la jeune fille en question pour ma fille, bien sûr. Bien, d'accord. Bon. Alors... Ni pour ta mère, rassure-nous. Ma mère, encore moins. Alors, il y a une bonne nouvelle. Donc d'abord, il y a évidemment les variétés le 16 janvier. Puis ensuite, le 5 juillet, vous faites l'ouverture du Festival d'Avignon dans la Grande Cour. Mmh. Non, mais faites pas le blasé comme ça, c'est bien. Ah, je ne fais pas blasé. Ah non, tout. Faites pas le blasé, c'est formidable. Ça m'excite beaucoup, oui. Oui, surtout que c'est l'école des femmes, oui. Qui est deux. Molière. Bien. Faire une émission. Il a susurré des fois que c'est Marivaux. Des fois que ça soit Corneille. C'est la seule fiche que j'ai réalisée, c'était Molière. On va faire une émission culturelle ce soir, vous allez voir. Donc, vous jouez Arnolf, évidemment. Hein. Évidemment. Évidemment, voilà. Évidemment. Vous avez eu un succès tardif, vous? Oui, hein. Vous trouvez, vous? Ah oui, par rapport à Jordi, oui. Vous trouvez, non, mais c'est vrai, mais c'est pas mal, d'ailleurs. Vous avez eu le temps de vous construire, vous avez eu le temps de vous... Oui, mais avant, j'ai fait mon métier, je me suis construit, je me suis identifié. Moi, je pense que le premier devoir et le premier travail d'un acteur, c'est d'abord de savoir qui il est avant de pouvoir reproduire les autres. Bon, tout ce temps-là m'a servi à ça. Ça m'a servi à vivre, c'est-à-dire à constituer un morceau de vie et de ma vie qui me sert aujourd'hui de matériau de travail quand je reproduis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez mis 20 ans, et puis voilà, c'est pas venu d'un coup. Pourtant, vous êtes allé au spectacle assez jeune, c'est dans le monde du spectacle assez jeune, oui. Puisque votre père était peintre. Hein, il est toujours, il est vivant. Il est toujours vivant, oui. Mais il est pas jeune, dites donc. Non, il a 86 ans. Ah, bon, le salut, si tu nous regardes. Ah, il va nous regarder. Il nous regarde. Salut papa, bon anniversaire. Ben voilà. Alors... Vous viviez dans une grande maison rue des Martyrs, où il y avait plein de monde. Et lui vous a poussé vers un métier créatif, votre père. Ça, c'est rare. Oui. Parce que vous dites, avec lui, il n'était pas question d'être fonctionnaire ou ingénieur. Oui, ce qui était encore plus rare à l'époque qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Tous les gamins ont envie de devenir chanteur, acteur. À l'époque, c'était pas très bien vu. Alors, en plus, votre famille, vous étiez cousin avec les Canetti. Oui. Il y a un prix Nobel chez les Canetti. Oui, Elias Canetti. Oui, hein. Absolument. Prix Nobel de littérature. Quoi? De littérature. Ah, très bel écrivain. Mission culturelle. Oui. Donc, Canetti, oui. Ben, Jacques Canetti, qui est le découvreur de tout le monde. Oui, qui avait un endroit absolument formidable qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait les Trois Baudets. Trois Baudets, oui. Et où j'ai vu, moi, débuter, petit garçon, Gainsbourg, Brel, Fernand Reynaud, Raymond Devos. Bon, c'était formidable. Béart. J'avais 7 ans, Béart. Je me souviens très, très bien d'eux. Comment c'était Gainsbourg la première fois que vous l'avez vu? Gainsbourg, c'était magnifique. Un choc à l'époque, quand même, c'était non? C'était un vrai choc. Ouais. Ben, il était absolument magnifique. Il avait les cheveux tout à fait ras. Ah ouais. Complètement tondu à ras, il avait ses grandes oreilles en chou-fleur. Je me souviendrai toute ma vie, il avait un magnifique costume prince de Galles avec un col roulé gris-perle et des pompes pointues en daim. Il était dandy déjà. Il était très dandy. Très dandy. Il était absolument magnifique et il chantait génialement. Et un jour, votre père vous a dit « Regarde ce type, il est formidable » et c'était Raymond Devos. Voilà, hein, c'était Raymond Devos. Vous avez été nourri au lait du spectacle, vraiment. Hein. Oui, biberonné à ça, oui. Première sortie au théâtre de Pierre Arditi à l'âge de 7 ans. On comprend tout après. Comédie française, au poulailler. Il sait tout. Hein. Ben, je sais tout, non, puis ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir comment les gens sont devenus ce qu'ils sont. Il travaille bien, oui. Et alors, vous voyez Amphitryon avec Hélène Perdrière et Robert Rich. Quand on voit ça à l'âge de 7 ans, ça marque. Ça marque pour toujours. Après, vous avez appris votre boulot chez Tania Balachova et Maréchal, évidemment. Oui. Et au cinéma aussi, ça arrive assez tardivement, la reconnaissance, non? Oui, si tant est d'ailleurs qu'elle soit, pour être tout à fait sincère, véritablement arrivée aujourd'hui. Je ne le crois pas vraiment. Avec tous les films de René que vous avez fait. Oui, voilà. Oui. C'est mon grand titre de gloire. Je suis très heureux de les avoir faits. Je pense tout de même qu'il y a quelque chose au cinéma qui me reste encore à faire. Mm. Et si ça se fait, tant mieux. Si ça ne se fait pas, tant pis. Ma carrière me suffit telle qu'elle est là. Vous trouvez que vous n'êtes pas assez utilisé au cinéma, là?
C'est un peu ce que vous dites là. Un peu, et en tout cas, pas forcément comme il faudrait m'utiliser. Et je Marc Dorcel, Marc Dorcel, voilà. Si tu nous voilà. Regardes. Voilà, voilà. Il y a des morceaux de lui, il y a des morceaux de lui qui n'ont pas encore été vraiment montrés au cinéma. C'est lamentable. C'est absolument lamentable. Hein. Et ce serait culturel. C'est lamentable. Oui, absolument. Et c'est pas moi pour une fois. Oui. Mais c'est la fréquentation de Baptiste. Oui, longues ça, années, oui. Ça m'a rendu baptiste. Beaucoup d'emails. Je bouge pendant le jingle maintenant. Beaucoup d'emails là-dessus. Ouais. Ouais. Bravo Thierry. Il y a un ami mais... de baptiste. C'est là, magnifique. Ça, c'est sa vision libérale de la télé. C'est une façon de mater la révolution. Bien. Alors là, attention, vous savez qu'on va faire une petite interview mensonge. Hein. Donc vous êtes obligé, vous qui dites toujours la vérité, et puis c'est en liaison avec la pièce, Joyeuse Pâques, donc vous êtes obligé de mentir. Vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle. Vous avez cligné de l'œil, hein, ah, le signal. Ah, c'est possible. Oui. Non, c'est possible. Je voudrais vous le dire. Hein. J'ai décidé officiellement de boycotter ce cérémonial stupide et injustifié. Voilà, c'est ma position. Et je m'y tiendrai. J'ai le droit. Bien, alors, politiquement, quelle que soit votre fidélité à vos engagements de jeunesse, on vous a beaucoup vu ces derniers temps en compagnie d'Alain Madelin. Et vous avez déclaré d'ailleurs, moi un type dont le programme politique est d'enlever sa cravate, ça me va. Oui. Vous lui trouvez quoi, Madelin ? Ben, Madelin, je trouve qu'il a un discours qui est particulièrement adapté à l'époque dans laquelle nous vivons. Et je trouve qu'il y a une modernité et une espèce de fraternité qui émane de ce discours, qui, à mon sens, devrait rassembler pratiquement toutes les couches sociales de la nation. C'est pour ça, d'ailleurs, que je... Vous le voyez très beaucoup. Honnêtement, je le vois, à juste titre, d'ailleurs, candidat à la présidence de la République, et j'ai la ferme intention de le soutenir. Et c'est parce que Madelin a enlevé sa cravate que vous ne portez plus de cravate. C'est une sorte de manifeste, c'est une sorte de mimétisme. Pour une politique vous savez, quand du troisième millénaire. Quand on admire et quand on estime quelqu'un, ben, on a envie de lui ressembler. C'est un peu comme pour vous, Thierry. Vous savez bien comme vous. Ben, voilà, voilà. Vous vous êtes mis au sport. Oui. Vous faites du vélo avec Drucker tous les dimanches matin, avec Michel Drucker. Oui. Ça se passe comment, ces séances de vélo ? Ça se passe pas bien pour lui parce qu'il a un mal de chien à me suivre. Parce que moi, je suis très très entraîné. Ça fait des années et des années que je pédale, tous les sens du terme d'ailleurs. Ouais. Et lui, pour le moment, il pédale plutôt dans la choucroute. Ouais. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, d'être filmé par ses petits copains de la 2. Ouais, ouais. Et c'était très emmerdant parce que j'étais obligé de pédaler dans le vide pour qu'il puisse me rattraper. Ouais. Donc c'était mais pourtant, très emmerdant. Il mange des pâtes, il dort beaucoup. Oui, il dort énormément, il s'économise énormément. Je ne sais pas. Bon, il y a quelque chose a quelque qui tombe du rond, mais peut-être que finalement, là, alors, il est beaucoup plus âgé que moi, hein, Drucker. Et donc peut-être que c'est là où, au fond, c'est là, on voit la différence. Pour le Téléthon, vous avez fait 5 fois le tour du périphérique en vélo. 8. C'était admirable. 8 fois. 8 fois. Oui, 8 fois. 17 minutes, 46 secondes, 4 dixièmes. Alors, une des raisons de votre forme aussi, Pierre Arditi, c'est que vous avez laissé tomber la drogue d'une façon à peu près complète, sauf les pétards. Mais enfin bon, une dizaine de pétards par jour, parce que ça remplace les cigarettes. En fait, vous avez arrêté les cigarettes, donc vous êtes obligé de fumer des pétards à la place. Pas 10 tout de même, hein, pas 10 ah bon, tout de même, 8, 8, ce qui est déjà bien, c'est bien. Bon, un par tour du périphérique. Voilà, ouais, d'accord. Voilà. Ouais, d'accord. Et vous avez retrouvé votre légendaire énergie sexuelle qui a fait votre succès, il faut bien le dire. Parce que absolument, bon, il y a votre talent, Pierre, mais il n'y a pas que ça non plus. Hein. Non, ben d'ailleurs, grâce à Dieu, il y avait cette énergie sexuelle, sinon je ne serais absolument pas là où je suis aujourd'hui. Ah, pour oui, le oui. Voilà. Alors donc, Pierre a retrouvé en arrêtant la drogue son énergie sexuelle. On vous a beaucoup vu cet été avec Linda Hardy à Saint-Tropez. Oui, il y avait trois hors-bord. Il y avait Nagui avec une blonde décolorée, Arthur avec une blonde décolorée, et Pierre Arditi avec le brune décolorée. Brune. Voilà. Pierre Arditi qui a démarré en faisant l'amour à Marie-Belle, donc c'est vraiment tout à son honneur. Il a commencé. Non mais quelle durée. Voilà, c'est, comme un, c'est parce qu'il va jouer, si vous voulez, au théâtre du gymnase. Donc il a vu Marie-Belle, il s'est dit, tiens, alors oui, Marie-Belle. Il a appelé Marie-Belle. Il n'est pas con. Est-ce que la petite... Oui, ben d'ailleurs, elle est là. Elle est là, Marie-Belle. On l'applaudit. C'est joli, Gaston. Il a un nom, ton dinosaure. Il s'appelle Marie-Belle. Voilà. Et quand ton enfant va grandir et qu'il va te dire « Papa, il n'y a pas assez de putes sur le plateau, tu vas faire quoi concrètement ?» Je vais faire revenir
très bien. Donc oui, vous tournez là en ce moment avec Joyeuse Pâques en province. Mmh. Il paraît que c'est surtout la tournée des boîtes échangistes. C'est-à-dire que si vous voulez, ça fait quand même une bonne dizaine d'années que un peu plus, même une douzaine d'années que Bernard Billet m'avait dit qu'au fond, sa clientèle, son public, on ne le fabrique qu'en province. Mmh, mmh. Et j'ai suivi ce conseil à la lettre. Et c'est d'ailleurs Billet lui-même qui m'avait dit que je pouvais justement en profiter. Voilà. L'avantage des tournées, c'est ça, finalement. Voilà. Et donc, ça fait une bonne douzaine d'années maintenant que je fréquente plus de la tournée, un certain maintenant. Nombre de boîtes échangistes. Je vous donnerai des adresses, ça vous intéressera sûrement. D'ailleurs, il y en a d'excellents. Ça Non, j'ai l'intention d'éditer un guide. C'est un peu, il y a le Gomio, il y a le... Le Harditi des boîtes échangistes. Le Harditi des boîtes échangistes. Le Harditi, avec un H. Le Harditi. Le Harditi, ouais. Vous avez choqué beaucoup de monde quand même avec votre Mercedes vitre fumée sur la route. Oui, vous faites allumer les cigarettes par des assistants. Vous ne trouvez pas que c'est un peu too much, quoi? Vous savez, moi, je vais vous dire, quand on a réussi, après tout, c'est quand on a du pognon, quand on a du pognon, c'est bien d'en éclabousser les autres, ça fait du bien, après tout. Ils en cassent des merdés pour faire la même chose, voilà. On reconnaît vraiment le madeliniste de choc, le libéral de choc. Alors, on va terminer avec la littérature. Faites des lectures publiques aussi dans les villes où vous allez. Vous lisez du Renaud Camus, vous lisez du Robert Brasillac, du Nietzsche. Oui. C'est-à-dire que je l'ai découvert sur le tard et je dois dire que j'ai eu tort. Oui. C'est un manque de culture de ma part. C'est très beau, bien et sûr. Et puis là encore, il y a une parole importante à proférer aujourd'hui. Il y a une pensée qu'on ne partage pas suffisamment, et en particulier dans les couches basses de la société, qui ne lisent pas, comme tout le monde le sait. Oui. Et je voudrais être le chantre, au fond, de cette parole qu'on a tendance à éteindre, et je ne vois pas pourquoi on l'éteindrait. Mais vous l'êtes, vos lectures de Brasillac sont remarquables. Mais voilà. Voilà. Et l'antisémitisme, ça ne vous choque plus du tout, hein. Fut un temps où ça vous énervait, maintenant vous vivez avec. Qu'est-ce que vous voulez, non, finalement, c'est dans l'air du temps, alors après tout, pourquoi pas, hein, voilà. Pierre Harditi, merci. Merci beaucoup. Et voici maintenant...